Donc, boucher ça comme ça. Donc, du coup, bonjour l'Ardif. Bonjour la diffusion, j'espère que vous allez bien. Du coup, salut le chat, salut YouTube. Salut YouTube. Ce soir donc, on se retrouve ce soir sur Zelda Skyward Sword, donc pour l'épisode 5, du coup, du let's play, on va dire ça comme ça. Alors, je pense pas que c'est un let's play très long, hein, surtout si on fait des VOD de 2-3 heures. Ce sera quand même un truc assez, ce sera quand même assez court, je pense. Je pense que allez, en 15 et peut-être 15 épisodes, on a torché le jeu. Sachant que j'ai quand même envie de faire quelques quêtes annexes pour débloquer certains trucs du jeu. Bien évidemment, je les ferai en live, hein, je les ferai pas hors stream, évidemment. Et donc du coup voilà, donc là on va se diriger vers la nouvelle zone du jeu. Parce que rappelez-vous, quand même un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu la VOD. La dernière VOD de Skyward Sword. Donc on a fait le deuxième donjon, on a fait le temple de la Terre, on l'a fait d'une traite, on a fait le boss et tout. J'étais en multi-twitch avec Mr. Bigaston d'ailleurs. Du coup, je fais plein de bisous d'ailleurs à Bigaston. Plein de bisous à lui, sachant que ça va pas très bien là, en ce moment là, je sais pas. Il a live Discord pendant quelques jours et je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah! Merci Flora pour le host. Oh! Et donc du coup, donc on avait fait le deuxième donjon, on avait battu le deuxième boss, on avait vu Zelda qui s'est volatilisée devant nos yeux, là il y avait l'autre Poufias là, comment elle s'appelle déjà? Impa, voilà, qui nous avait dit non, tu ne peux pas lui parler, c'est pas le moment et tout. Et donc il faut qu'on se rende vers la dernière zone pour pouvoir espérer la voir. Donc du coup, voilà, donc du coup merci Flora pour le host. Du coup. Continue avec notre magnifique Frank Kersey. C'est parti. Alors. Bon, bah quoi, tu te stabilises, bordel. Saloperie de quoi. Pas possible. Bref. Alors. Normalement, j'ai plus rien à faire ici, normalement. Quand même, vérifier. Je crois que j'ai tout fait. Juste remonter ça pour voir le son. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Bon, le son ça va. Juste, non, c'est juste le son de mon casque qui est trop fort. Voilà. Alors, vraiment, le son il est bien. Du coup, ah bah, j'ai plus de bombes. Ça c'est bien ça. Attends, je vais quand même regarder mon inventaire. Normalement, on a débloqué la stèle jaune, là, la stèle jaune, je sais plus c'était quoi le nom, je crois que c'était la stèle ambre, je crois. Alors, vraiment, j'ai plus rien à faire ici, donc on va gentiment retourner dans le ciel. Je peux enlever cette balise là qui me sert absolument à rien, merde. Je vais l'enlever parce qu'elle me sert à rien. Comment je l'annule? Ah, comme ça, ok. Le bouton C. Allez, c'est parti! Let's go! Ça, il faut que je parle un peu anglais parce qu'il y a des anglais qui me regardent là. Il y a le host de Zelda Universe. Merde, pourquoi j'ai sauvegardé? Je voulais aller dans le ciel. Je suis con. Dans le ciel, oui. Let's go. Ah, pourvu que ça reste à 2% de drop là durant les 2 heures là. Parce que du coup, 2% de 2 heures, c'est pas non plus énorme en drop. Mais bon, ça me fait quand même chier de vous proposer des VOD avec des drop frames. J'en suis désolé. Alors, on va aller à Célestbourg. Quoique, attendez. Avant. Ouh, mais il y a une pluie de coffres à ramasser. Alors, derrière nous, il y a un truc à récupérer. Donc on va y aller. Tout de suite. Demi-tour! Voilà, par là. C'est parti. Non, je vais pas descendre là. Alors, attention. Ah oui, non, non, non. En fait, c'est pas une bonne idée d'aller là, en fait. Attendez, quoi que. Qu'est-ce que c'est qu'ici? Parce que si je tombe sur un rubis d'or, je crois que je suis full baise. Attendez, je peux voir combien de rubis maximum? 900 rubis. Ouais, je suis à 895. Donc, on va éviter de. Si je tombe sur un rubis d'or ou un rubis d'argent, je serai full baise. Donc, on va éviter. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour.
Tiens donc voilà, Franck Curzy, c'est pas tous les jours que quelqu'un passe me voir. Où est-on ? Tu te trouves dans le repère secret où je me consacre chaque jour à mon entraînement à l'épée. Figure-toi qu'à une époque, le village entier m'appelait l'idole du coup. Avec le simple moment de la naissance de ma fille, j'ai fini par prendre un début d'embonpoint. D'accord. Voilà pourquoi je me fends du bambou en solitaire. Y a pas mieux pour toi à la fin. Enfin, t'en as qui font du fitness, d'autres qui font des footing, et toi tu coupes du bambou pour perdre des kilos et pour te sentir mieux. C'est un argument. Oui, pourquoi pas, ça se trouve peut-être avoir une belle récompense. Oui, je me disais bien. Tu vois ce bambou là au milieu, tu vas devoir le payer en pièces. Coupe autant de morceaux que possible avant qu'il se retrouve par terre, si tu t'en sors, tu auras une récompense. Oh. C'est 10 rubis le bambou. Attends, faut payer ? Ben alors, t'es sourd, j'ai dit qu'il y avait une récompense à la clé, donc il faut allonger la monnaie. Mais vieux, tu comprends ? Je pensais que c'était gratuit, je pensais que c'était moins cher que gratuit, moi. Oui, allez, c'est parti. Vas-y, petit gars, je te préviens, il va pas falloir traîner. D'accord, très bien. Alors, avec mon maniement de l'épée incroyable, ça va être marrant. Ah 22. Pas mal, 22. C'est pas mal, pour un bon début, c'est pas mal. D'accord, détends-toi, game. Tu as fait combien de morceaux? Oh, 22. Ouah, belle démonstration, on peut dire que tu t'es débrouillé à l'épée. Tiens, tu l'as mérité. Vous avez obtenu un cristal magnifique. Oh, oh. Ah mais c'est un trésor que je n'ai jamais eu. Nice. 28 morceaux. Tu veux casser du bambou? Ok, bon, je me casse. Ok. Parce qu'il y a un coffre à récupérer ici, mais je vais pas le récupérer parce que si c'est un rubis d'or ou un rubis d'argent, je serais du coup, comme je dis, je serais complètement dégoûté. Donc on va y dépenser un peu notre pognon et puis on ira récupérer les coffres plus tard quand on sera à sec. Je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. Donc là on va aller à Célesbourg, on va aller acheter 2-3 conneries, on va aller placer la stèle dans la statue. Et une fois qu'on aura fait ça, et bah, vas-y, déjà vers la nouvelle zone. Peut-être ouvrir les coffres avant. Quand même, pour voir quand même ce qu'il y a dedans. Je pense que je vais acheter une nouvelle bourse. Et quoi d'autre encore? Une nouvelle bourse. Et quoi d'autre? Ah oui, peut-être un autre truc chez Terry, je sais pas. Allez, let's go. Peut-être aussi aller au marché pour voir ce qu'il y a. Alors. Ça va pas tomber. Donc du coup, on va d'abord aller au marché d'abord. Il y a peut-être une nouvelle arme. Un nouveau bouclier, je sais pas, peut-être, je sais pas, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'il a à me dire? Bonjour! Nouvelle arrivée aujourd'hui, rien que pour toi, observe bien la qualité de ce petit sac de bombes, un petit joyau. Un sac de bombes, ouais, j'avoue, ça pourrait être utile. J'ai combien de place dans ma sacoche? J'ai encore 2 emplacements. Bonjour, tiens, je vais lui parler pour une fois, tiens. Normalement c'est 10 rubis la séance, mais pour toi ce sera 1 rubis. Pour 1 rubis tout petit, oh, vas-y, hein, fais de plaisir. D'ailleurs, faut bien entendre que je n'avais pas vu de client. Mes grands yeux ronds voient tout bon. Fort bien, je fais ma boule de cristal. Oh, je sens, je vois la lumière. Je vois du sable, un bac à sable géant. En tout cas, je vois qu'il faudra très prudent avec l'électricité, le métal t'apportera que des ennuis là-bas. Ah, là j'avoue que c'est une bonne information qu'il me donne. Ah, j'ai bien fait de lui parler. Ah, mais c'est pas mal ça. Parce que du coup, ça t'indique un petit peu, ça te donne des indices
sur ce que tu dois faire, tu peux y arriver. Donc, ne pas... La prochaine zone, donc, il y aura de l'électricité. Donc, on va prendre un bouclier en bois. Bienvenue à la conseil. Oh, c'est encore toi. Tu viens souvent en ce moment, à vrai dire, il n'y a que toi qui viens assez souvent. Oh, mais une minute. Est-ce que par hasard, tu viens pas ici juste pour me voir, quand même? Pas du tout. Ah, très bien. C'était stupide de ma part, quelle idée, idiote. Non, non, je ne suis pas déçu. Vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Oh là, mais je manque tous mes devoirs. Tu veux déposer... Non, non. Ok, parti. Eh bien, vas-y. Putain. La meuf, quoi, super motivée. Est-ce que j'aurais besoin de nouveau du bouclier en fer? Ah, elle me reprend quand même ça, 50 rubis. Bon. Je vais quand même prendre, ouais, donc je vais quand même le garder, on sait jamais, si jamais un jour j'en ai de nouveau besoin. Bah, je prends le bouclier en bois. Ah, peut-être aller le faire réparer, tiens. Peut-être aller le faire réparer chez le... Enfin, chez le... À l'atelier. Pour être bien tranquille. Bonjour! Désolé, je peux aussi réparer ton bouclier. Oui, je voudrais que tu répares mon bouclier. Réparer. Alors, qu'est-ce que tu veux que je répare? Ça. Je te répare ça tout de suite, ça fera 10 rubis, oh, ça va. C'est pas excessivement cher, ça prendra pas longtemps. Alors, autant arriver avec un bouclier full bien. Je pense que je vais même essayer de l'améliorer. Avec du bol, il sera plus résistant. Tiens, c'est prêt. Nice. Votre bouclier est réparé, il est comme neuf. Hé hey, garçon, tu as plus de bouclier, reviendra pour voir plus tard. Maintenant, je voudrais bien que tu m'améliores des trucs maintenant. Avec des objets. Améliorer. C'est ce que je peux améliorer. Alors. Bouclier. Ah, je peux, ça, je peux l'améliorer. Donc, j'ai tout ce qu'il faut et c'est 30 rubis. Bon, allez, je l'améliore maintenant. En solide. Je te promets, les modifications sont définitives. Alors, je t'améliore ça tout de suite? Oui. Vas-y, améliore-moi ça. En fait, j'aurais dû direct l'améliorer hein, et non pas le réparer. Je suis con. Au moins, non, mais au moins ça dépense les rubis. Hein. Tiens, c'est prêt. En bouclier en bois solide. Léger et maniable, il est plus solide que bouclier en bois ordinaire. Ah, nice. Est-ce que je peux encore l'améliorer? Enfin, je pense pas, je pense que j'ai plus assez de matériaux. Ah, je peux encore l'améliorer. Ah non, il me manque virevoltant, griffe de monstre pour un truc renforcé. Ok, donc ça non. Alors le fil à papillon, je ne peux pas. Et ça, il me manque. Ah, il me faut deux gélatibules et deux perles d'ombre, ce que je n'ai pas. Très bien. Merci bien, n'hésite pas à remettre ça. Ah, oh, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, toi, c'est bon. Niveau potion. J'ai toujours la polypotion pour réparer un bouclier cassé, enfin réparer un bouclier endommagé. Et la potion de soin pour restaurer des cœurs, donc j'ai pas besoin de potion. Niveau potion, on est bon. On va aller chez Terry, et ensuite on va aller à la statue de la déesse. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, où est Terry? Le petit coquin, où est-ce qu'il est? Par contre, on va partir maintenant. Ah, il est là-bas. Ouf! En tout cas, j'espère que... Enfin, je sais pas si vous avez été nombreux, parce que je sais pas, il y avait des... Je sais pas si vous étiez nombreux tout à l'heure, là, pour la vodcast... Hein. Eh, monte. Putain. Le pire endroit. C'est-à-dire, voilà. Je sais pas si vous avez été là pour la vodcast qui a eu lieu tout à l'heure sur Mario Runner. Une nouvelle série en coop avec Big Gaston. Donc c'est comme Zelda Race, mais en version Mario, hein, ni plus ni moins. Enfin, c'est... Bon, quoique, ça a vraiment rien à voir avec Zelda Race, mais ça est plutôt cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé la première session de tournage. Bon, il y a eu quand même pas mal de sel, j'avoue, mais le tournage était vraiment fun. Le premier épisode est apparu aujourd'hui, je l'ai diffusé en vodcast sur Twitch tout à l'heure à 18h. Et ce sera comme ça tous les mercredis à 18h, donc il y aura donc, chaque mercredi à 18h, il y aura un épisode sur ma chaîne YouTube. Et en vodcast sur Twitch, les épisodes durent à peu près une demi-heure, donc c'est pas non plus très très long. Donc voilà, voilà. Alors, en tout cas, merci d'avoir été là pour la vodcast. Et merci pour les quelques commentaires que vous avez laissés sur la vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à checker le point de vue de Bigasson, ça lui fera très très plaisir aussi. Alors, j'ai le choix. Alors déjà, une bourse s'impose.
Une bourse annexe, c'est super utile avec elle, même pas 300 rubis supplémentaires, on va voir les tragédies du genre, mais ça commence à savoir ce que c'est. 100 rubis, donc ça je prends. Alors après, il va falloir faire un choix. Soit je prends. Attendez. Il va falloir faire un choix. Soit je prends le cœur. Ouais, ça c'est un truc de cœur, donc je pense que c'est pour avoir un cœur en plus. Ou soit je prends la sacoche, donc un emplacement de sacoche en plus. Ça coûte combien? Mais la vie, tu vois, en effet, sur toi, sur toi. Je sais pas trop, mais c'est super ok. 800! Ah, j'ai plus assez. RT. Bah tant pis, bah, je vais prendre la sacoche. Pour la peine. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une médaille insecte. Avec cette médaille, les endroits où il faut adresser seront indiqués sur ta carte. C'est super pratique. Ouais, j'avoue que ça peut être pratique si on a besoin d'insectes. 1000 rubis! Mais oh là 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 là. C'est l'offre et la demande. Après, je veux bien concevoir, mais bon. Ah, bon, bah j'ai plus que ça. Ça, c'est une poche supplémentaire. C'est de sa sacoche. Non, 300 rubis. Et tu repars avec. 300 jours. Du coup, j'ai 3 emplacements disponibles. Plutôt pas mal. Tu leur regarderas pas de donner la force de pédaler. Ok. Ah bah, il me reste 444 rubis. Alors. Bonjour! Quoi, t'es là à la boutique de Terrip? C'est pas juste, moi aussi je vais y aller. Monsieur? Bah, hier je l'ai vu jouer dans le cimetière. Salut Ryder! Comment ça va? Bah, hier je l'ai vu dans le cimetière. Ma mère est venue me chercher alors je suis parti avant elle. Il y avait quelque chose? Ah oui! Ah oui, la quête annexe là de Nastia là. Oh, je le ferai plus tard. J'ai envie de faire un peu de quête principale là, donc on va aller à la statue de la déesse, déposer la plaque et se diriger vers la nouvelle zone. Par contre, il faudra que je m'équipe du nouveau bouclier. Voilà. Du coup, salut Ryder. J'espère que tu vas bien. C'est où déjà? Ah oui, c'est par là. C'est par ici. Y'a pas un rubis là-dedans? Y'a que dalle. Très bien. Si je tombe. Non, c'est bon. Ah! Bon, ok. Reviens là. Reviens là. Ok, d'accord. Je suis nul en ça. Bon, allez, c'est bon, j'abandonne. C'est bon, je m'en vais. Je me casse. Je me casse de là. J'aurais peut-être pas dû passer par là en fait. Bon, c'est pas parce qu'il y avait une autre porte, c'est vrai. Je suis con. Ouf, voilà, on prend ça. Oh merde, j'ai loupé la. J'étais en train de regarder le chat et puis j'ai pas fait attention. Merde, le con. J'espère que tu vas bien, Ryder. Hein. Je t'ai pas dit comment ça allait. J'espère que tu vas bien. Alors. Ok, c'est bon. Oh. C'est joli. Maître, je confirme que ton deuxième colonne de lumière est apparue au loin. Est apparue au sud-ouest, au loin sud-ouest. Vous pouvez descendre vers la nouvelle terre une fois que vous en avez besoin. Je suis prêt, c'est bon. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait avant. J'ai acheté, voilà, j'ai amélioré mon bouclier en bois. J'ai des emplacements en plus. Je pourrais prendre, acheter des bombes en plus, un truc comme ça. J'ai encore un peu de rubis, je vais acheter un sac de bombes. Parce que bon, les bombes c'est quand même super utile.
Je vais quand même aller, ouais, je vais quand même aller chercher un sac de bombes au marché une fois que... Voilà, je vais acheter ça. Et ensuite, on se dirige vers la nouvelle zone. Poitata. T'as la poire. Oh le con. Bravo. Bravo Nils. GG pour la caméra. Alors. Bonjour, je prends ça. Si ça coûte plus de... Si ça coûte 500 rubis, je... Voilà, je... Voilà. C'est pour avoir 5 bombes. 5 bombes en plus, c'est pas non plus négligeable. 150 rubis. Et je prends. 5 bombes supplémentaires. Merci, merci. Et un objet de plus dans sa sacoche. 1. Au niveau bombe, je pourrais acheter des bombes. Ah non, mais j'ai déjà des bombes en fait, non. En tout cas, ça me met 5. C'est-à-dire que j'ai déjà 5 bombes. Bon, attendez. Je vais ressortir. Je voulais l'améliorer, mais je pense pas que j'ai les items nécessaires pour l'améliorer. On va éviter. Attends, parce que ça me met 5, donc c'est-à-dire que j'ai 5 bombes du coup. Ouais, j'ai 5 bombes, c'est bien ce qui me semble. J'aurais dû acheter des bombes du coup. Je suis assez con. Moi, je pense qu'il y aura des bombes dans la zone, j'espère. Et on y va! Youhou! J'aurais dû prendre le tunnel, enfin le tunnel, oui, le machin. Ta poite. Salut Flora. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une petite île là-bas, ça m'intrigue. Je vais aller checker vite fait ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, merci Windows. J'ai pas mis en ne pas déranger. Putain, le con. Oh, ça suffit! Voilà, c'est bon. Désolé pour le son Windows. Voilà, ça a cassé là, ça a cassé l'ambiance de l'Ardif. Je déconne, c'est bon, c'est bon. Comment ça va, Flora? Tu vas bien? Me dis pas que c'est mes notifs. Si si. Si si Flora, tout à fait. Non mais t'inquiète pas, y'a pas de soucis, c'est pas grave. C'était aussi à moi de me mettre en ne pas déranger pour pas avoir les notifs. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. C'était à moi de couper le son des notifs. Hein. Quand je pars en stream. Ah, une nouvelle zone, let's go. Merde, mais y'a pas de soucis, c'est pas grave, Flora, y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Nouvelle zone. Donc c'est l'Anel. Voilà, c'est ce que Faye nous avait dit l'autre fois. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Moi je me souviens plus du tout hein, de l'Anel. Pour vous dire, c'est un Zelda, je l'ai fait, mais je m'en souviens plus des masses. Hein. Maître Faye au rapport, nous sommes arrivés dans les mines de l'Anel. Une évolue toute mignonne a rejoint le chat. C'est maintenant que Linktoon 7 s'en rend compte. Il a du retard le bot, hein. Mine de l'Anel. J'aime bien like les tweets du bot. Tu peux aussi envoyer des tweets sur le bot. Point exclamation send tweet. Ça marche aussi. Donc j'ai pas vu ce qu'elle m'avait raconté l'autre pouf là. Donc on est dans les mines de l'Anel, et puis je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ok, donc ça va commencer avec la zone désertique. Alors, il est probable que Dame Zelda soit arrivée dans cette zone. D'accord. Ah, du coup, je dois utiliser mon outil. Ah, bah, il est déjà. Alors, j'ai l'outil. J'ai la détection de cœur. Ah, niveau 14. Est-ce qu'il y a un cœur dans les environs? Il n'y a pas de cœur dans le coin. Ça commence mal. Alors, et Zelda. Voilà, et par là-bas.
Je reste sur le chat en écran scindé, du coup je pourrais plus écrire dans le chat, sinon mon host est passé. Oui, il est passé ton host, Flora. Il est passé. Oh ! Il y a eu le A. D'ailleurs, mon emote. Ma nouvelle emote de sub, l'emote du A, voilà, elle est toujours en cours d'approbation, elle a toujours pas été approuvée par Twitch. Pour l'instant, ce sera une emote à 10$. Mais quand on aura plus de slots pour les subs à 5, bah, je la passerai à 5$. Mais pour le moment, elle sera à 10. Mais le jour où on aura plus de slots, les emotes de sub à 5$, bah, je la mettrai en emote à 5. Parce que je trouve que c'est un peu abusé quand même, 10$ pour cette emote-là. Lindab, ouais. Bonjour. Voilà. C'est bye bye. Le gain de rubis qui a diminué. Parce que je trouve que vous gagnez un peu trop de rubis. Oh, qu'est-ce que. Oh mon dieu! Alors, la cible verrouillée est un blob jaune. Ce spécimen envoie des décharges électriques à intervalles réguliers. Soyez sur vos gardes. D'accord. Vous en avez vaincu 0. Merci, fait. Ah, faut que je fasse attention. Bon, là il y a des trucs à exploser avec les bombes, je pense que ça ne sert à rien. Donc il faut continuer à pousser le wagon. Yes. On va voir si on peut faire la zone d'une traite. Je pense qu'en 2 heures. Oh, peut-être qu'en 2 heures on aura le temps, peut-être. Après, je sais pas. De temps en temps ça drop, bon, il y a une méchante. Combien de drop là? De 2%, ouais, ça. 2% de drop en 30 minutes, ça va. Bah. Si ça reste comme ça tout le long, ce sera comme les lives d'habitude en fait. Quand c'est Mako, c'est toujours comme ça. Alors quand c'est avec la 4G, bah je suis à 0, voire 0. Soit je suis à 0,0, soit 0,1. Parce que si bon, je pourrais faire tous mes streams avec la 4G, mais bon, j'ai que 100 Go, je suis pas illimité. Si je serais illimité, tous mes streams seraient full 4G. Mais je ne suis pas illimité. J'ai 100 gigas, ce qui est quand même pas mal, mais bon, hein. Après, au-delà de 100 gigas, j'ai un débit de merde, donc voilà. C'est pour ça que bon, je vais quand même y aller mollo. Ah, des bombes, nice. C'est pour ça que je vais quand même y aller mollo sur la 4G, même si j'ai 100 gigas, c'est quand même beaucoup, mais bon. Faire du streaming avec de la 4G, ça prend beaucoup de bande passante. Ouais, trop long et chiant, ouais. Je pense qu'on le fera en deux parties. Voilà, donc là je peux avoir 15 bombes, on va d'abord poser une petite bombe là. Les pètes. Pète. Putain, ça met 10 ans à péter ces trucs. Au moins ça va, c'est des bombes puissantes. Hop. Encore un petit wagonnet. Non, je rentre le mercredi, je rentre chez moi. Comparé à l'année dernière. L'année dernière, je streamais depuis internat, mais j'ai plus envie de stream depuis internet, j'ai envie de stream directement depuis chez moi. Donc maintenant, le mercredi après-midi, je rentre chez moi. Parce que j'ai pas quoi le mercredi après-midi, donc tranquille. Ah, je suis chez moi, je repars demain. Logique, bah oui. Sinon j'aurais pas pu stream du Skyward Sword, hein, parce que j'aurais pas pu amener mon Avermedia, tout le tintouin, mon Avermedia, ma Wii U et tout, j'aurais pas pu tout ramener. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des rubis à les récupérer. Ah, j'ai pas vu si je pouvais améliorer le scarabée. Je crois qu'il était pas dans la liste des choix là du mec. Je sais pas si on peut la. Non, c'est un truc que tu peux améliorer, mais. Ah, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'on peut pas l'améliorer maintenant. Ouais, donc je repars en cours demain. En tout cas, moi ma journée de rentrée s'est bien passée aujourd'hui, ce matin. C'est très très bien passé. Et donc, bah, on commence les cours dès demain. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Tranquille, moi ça va être rempli. Oui, tu. Ah oui, normalement tu peux l'améliorer, l'escarabée. Voici un robot modèle DL301, il ne possède pas de nom. D'accord, donc robot sans nom.
Il s'agit d'un androïde produit de des chronolithes. D'accord. Des chronolithes. Je pense que c'est ces trucs-là. Waouh! Ah, c'est plus beau comme ça. Hein. Ah oui! Oh, c'est super stylé! Waouh! La faille va nous dire ceci est une pierre. Joli! Ok. Bonjour! Ne me parle pas pendant que je travaille, ça me dérange. Ok, très bien, le mec. Sans eux. J'ai détecté un glissement temporel dans cette zone. Le choc a fait gel à la pierre bleue a fait remonter le temps, cet endroit. Et maintenant tel qu'il était dans le passé. Ah, c'est joli. En tout cas, c'est beaucoup mieux en couleur. Hein. Du coup, si je retape, du coup, ça va revenir à un truc dégueulasse, tout moche. Ouais, c'est tout moche. Ah, puis il y a que certains éléments qui se débloquent si on est dans le passé. Ah, d'accord, ok. Bon, faudra sans doute jouer, faudra sans doute activer plein de pierres comme ça pour avancer. Je pense, c'est pas, je pense même, c'est sûr. Oh, ça c'est stylé, ça. Vraiment stylé. Bon, après, bon, ça n'empêche pas que la zone... Ah non, il y avait un autre wagon! Bon, on va aller voir ce qu'il y a à l'autre wagon. Ah, oh, c'est vraiment stylé. Oh, j'aime bien. J'aime bien ça, mais bon, après, la zone... Je sens qu'elle va bien être chiante. Il y aura trop de trucs à faire. Il y aura des trucs bien cachés. On va même pas savoir où est-ce qu'il va falloir aller. Ah, il y a un coffre à récupérer. Je suis passé à côté. 23h, Flora. Ah, Coco, j'ai commencé. Attends, j'ai commencé un petit peu en retard. 23h05, 23h10. Enfin, 23h quoi. Enfin, parce que bon, c'est pas que je dois me coucher assez tôt. Pas comme si demain j'avais cours. Loul. Putain, le con. Oh, la Boruti. Ouais, jusque 23h je stream. Peut-être que j'irai mater un stream après mon live, peut-être que j'irai mater un stream un petit peu, puis après j'irai me pioter. Bon, ça va, demain je commence à... Je sais même plus quelle heure. Faut que je revérifie mon DT. Je crois que c'est 9h, je crois, à laquelle je commence. Je crois que c'est le seul jour où je commence à 9h, tous les autres jours je commence à 9h. Enfin, je crois. C'est soit demain, c'est soit vendredi que je commence à 9h. Ça faut que je revérifie. J'ai un doute, pas envie d'arriver en retard le premier jour de cours, t'sais. Ça serait relou. XD. Florentienne. Le boulet. Nice. Ah! Ah d'accord, ok, une pierre. Ah d'accord, ça a reset le truc. Ah ok, non d'accord, c'était normal que je le fasse en fait. 38, waouh. Merci Wazebot. Bonjour. Les chronolithes sont la source d'énergie qui nous permet à nous et aux machines de fonctionner, alors on n'a pas le temps de discuter. Pas le temps de niaiser, gros! Et tu vois, si je fais ça, tu meurs. Voilà. Bon, j'arrête. Arrête de faire le con. Alors. Ah! Ça, c'est la joue à Tony Parker. Pouf! Nice. Il me reste 9 bombes, ça va.
Ah, je crois qu'il y a des bombes à récupérer. On va faire le plein. Violence. C'est les mecs qui te font chier, tu coupes le chrono, tu coupes la pierre, tu sais. Comme ça, il meurt. Quand on va faire mourir un robot, tu tapes sur une pierre pour revenir dans le présent. Mais non, crétin! Bon, ça, je peux l'arranger, ça va. Ça repousse assez vite. C'est pas comme certains Zelda où ça met 2 ans à repousser. Oh là, ça y est! Oh, double kill! Oh, du sais, attention! Oh mon dieu, ça va être une sacrée péripétie, si vous voulez mon avis. Ok. Oh oh! Je crois qu'il y a un boy, il y a un petit passage secret, on va aller voir. Il y a un coffre. Ah, évidemment! Protégé par 2 monstres qui ne servent à rien. Un rubis rouge. Ça, c'est bon. Dépôt. Ah! Des insectes. Mais. Attrape-le! Attrapez-les tous! Mais. Ah, mais. Oh là là, mais regardez-moi ça! Oh là, il est mort, voilà. Regardez-moi ça, non mais franchement, cette maniabilité elle est pourrie. Voilà. Une fourmi de l'anel. Oh. Ouais. Ok. Le Trisolink le retour. Hein. Dommage que Bigaston il est pas là pour regarder ce stream. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a, Bigaston là, je sais pas. Il est en déprime, ça m'inquiète un peu. Je sais pas ce qui se passe. T'as vu Discord? Oui, j'ai vu Discord, j'ai vu qu'il partait, qu'il déco quelques jours, mais. J'ai envoyé un SMS, il m'a dit qu'il était. Enfin je sais pas, il m'a dit. J'ai pas envie de dire ça, hein. J'ai pas envie de dire ça devant tout le monde parce que c'est quand même des conversations privées. Au pire, je te le dirai en privé au pire, Flora. J'ai pas envie de le dire devant tout le monde, mais je suis pas Bigaston, je sais pas, il est. J'ai l'impression qu'il est en déprime, je sais pas ce qui se passe. Bon. Mange! Ah non, ça j'ai pas vu. Ça j'ai pas vu. Ça c'est bye bye. Oh mon dieu, je m'en vais. Ah, des noix. Ok. Utilisez un petit peu la. Oh non. Oh putain. Attention, faut pas rester trop longtemps dans les sables mouvants parce que c'est... sinon on s'enfonce. Faut faire attention. Non, c'est les buts des sables mouvants en fait. Je suis con. Ça c'est bon. Alors, la détection. C'est par là. Merde. Boulet. C'est par là. Attends. Est-ce que j'ai pas loupé une zone? Ah, il y a une zone là, mais visiblement, je pense pas que je peux y aller. Il y a plein de vides ici. Je pense que c'est une zone pour plus tard, ça. C'est là d'où je viens. Ouais, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Là, il y a un truc. On va aller voir ce qui se passe par ici. Merde, pourquoi j'ai posé une balise quelque chose. Oui. Ouais, c'est bon. Ok. Ah,
Là, il y a un coffre. Ouais, là, il y a un coffre. Ok. Du coup, faut que je fasse par où? Loul, à part là. Et on y va. Allez, on enchaîne. Nice. Ok. Donc là, il y a... Oh, salut toi. Ouf. Oh là là là, quel talent. Ouais, une gélatibule. Faites des dons à Sifano pour rejoindre le gélaticlan. Mon dieu. La pub que j'ai fait pour Sifano quoi, lol, lol MDR. Une griffe de monstre. Nice, nice, nice. Ça j'en ai besoin là pour faire des améliorations. Niveau trésor, je suis c'est pas tip top encore hein. Je sais pas encore, parce que je sais qu'à un moment dans le jeu, tu peux avoir une chier de trésor. Comment j'ai là? Parce que là, je m'enfonce, hein, j'aurais pas assez d'endurance. Ah, bombe! Je pense... Ah, il faut rouler les bombes. Je pense qu'il faut, ouais, faut faire rouler la bombe. On va faire un peu le plein. Oh non, oh non, non, non. Ah, c'est bon. Ah, on y est plus. Ok. Bah, du coup, je vais me faire chier. Merde, lance là. Ah, putain. Et voilà. Boulet. Ah, putain. C'est pas compliqué de faire ça. Hein. Bowling. Oh, c'est nice. Oh 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 oh! Est-ce que ça peut taper la pierre? Je pense que oui. La boîte à son. Boulet! Boulet! Ah, ça peut être bien ça. Et le apuel! Apuel! Pardon. Oh oh oh! Oh! Tu t'y attendais pas, hein? Aïe! Non, mais c'est relou ces plantes. Bon, au pire, tu sais quoi? Tu sais quoi, ma cocotte? Eh, tu sais quoi? Voilà. Isole tes sons. Ah, pour que tu fasses des clips. Oh merde! Bah putain le con! Putain le boulet! Boulet! Boulet, boulet! Poule! Mon dieu! Pause! Oh. Oh! Attendez! Libellule! Oh, putain, il y a la commande, hein. Il y a la commande pour une exclamation libellule, hein. Avec le lien du clip. Ah oui, les isolés, faut pas qu'il y ait, qu'il y ait pas de son de jeu, ouais. Je sais. Je suis con. Où est-ce qu'il est? Elle est où la libellule? Attrape les insectes avec Romain. Ok, il est parti. Et donc, là, il y a quoi? Libellule.
Libellule. Avec le lien du clip. Non mais au pire je referai ces sons là sans son dieu, sans rien. Je les ferai avec Audacity puis j'enverrai ça à Bigaston. Bon, tu me fais un peu chier, hein. Ah, bravo. Ceci est un fail. Ah non mais attends, je suis con. Tiens, mange. Elle est bonne la bombe, hein. Ok, donc il faut passer par là. Est-ce qu'il y a des rubis là-dedans? Ah, t'as une idée pour la boîte à son? Vas-y, dis, c'est quoi? C'est quoi ton idée? Oh non, toi non. Pas te faire foutre. Merde. Nous sommes arrivés au désert de l'Anel. Une brusque désertification a grandement changé les lieux. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout vu. Désert de l'Anel. Je détecte en de nombreux endroits des sables mouvants susceptibles de vous engloutir. Le niveau de danger a augmenté de 30%. Vous demandez à Bigaston, on peut pas faire une rubrique pour chacun de nous. Ah, ça pourrait être une bonne idée, en effet, Flora. Je veux plutôt ta connerie. Oui, y'a pas de soucis. Ouais, faire une rubrique pour chacun d'entre nous, une rubrique Bigaston, une rubrique moi, une rubrique Flora, une rubrique Arc. Ouais. Bah, moi, à part le boulet et le Apouel, y'aurait rien. Donc, désert de l'Anel. Oh mon dieu, oh là là, taille de la zone. Oh mon dieu. Mon dieu. Oh mais kill me quoi. C'est déjà bien. Alors. Entrée du désert. On sauvegarde. C'est déjà bien. Ok. Donc du coup Zelda est dans cette zone hein, évidemment. Alors détection. Non mais c'est pas ce que je voulais faire. Crétin. Ah. Zelda est par là. Par là c'est. Ouais non. Waouh. Si vous voulez mon avis, le truc qui me choque tout de suite c'est le carré là. C'est la zone avec le carré, ouais, je pense qu'elle doit être par là, je pense. Après je sais pas, peut-être que je me trompe. Bombe. lol. Dans l'amphi, à poêle. T'imagines. T'es en plein cours, tu sais, tu reçois un SMS, à poêle. Tous les gens sont en mode ok, le mec c'est bon, je lui parle plus, c'est bon, ok. Ah ah. Je crois que j'ai passé à côté de ça moi. Oh oh. Y'a quoi par là? On aime bien explorer les environs. C'est suspect. On va récupérer ça. Bon. C'est une bonne idée de passer par là. Parce que je le fais bien le Apouel, c'est ça? Apouel. Bah quoi, hein? Faut bien que j'ai un talent quand même.
Faut bien que j'ai un talent. J'ai que ça. C'était utile. Un Pika? Ah bah ça tu vas le faire devant ton Pika. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet ennemi? Tiens, je vais on va aller s'approcher un peu. Les coteaux. Peut-être ça se trouve des ennemis. Vivent dans le désert. Bonjour. Ok, ça l'a chatouillé. Bonjour. Donc, qu'est-ce que oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est? La cible verrouillée est un crustaroule. Cet ennemi peuple le désert depuis des années, vit très longtemps dans une zone de cité. D'accord, ah ouais, d'accord, ok. Vous avez vaincu Zéro. Merci, Faye, pour ces informations très pertinentes. Toi, c'est mort. Est-ce que je peux utiliser ça? Ah, je peux monter dessus, d'accord, ok. Sans rien d'intéressant. Oh non. Ah c'est con ça. Ça c'est bye bye. En fait je sais pas par de quel côté commencer en fait. C'est ça le problème. Parce que là il y a une zone là, il y a une zone là. Commencer par là. Ah bah c'est fermé, génial. Super, quelle heure il est? 22h. Déjà. Putain. On est déjà à 1h de VOD et j'ai pas encore commencé la zone. C'est se manier un peu. Ah là il y a un cube. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Salaud. Mais non mais c'est un truc à ramasser avec le fil à papillon. Putain, le bâtard! Quel salaud! Non, mais c'est bon, ça suffit! Le truc, il est bourré quoi! Il est pas bourré! Oh non, oh non! Bon. Mec! Oui, avec ça, ça va être très utile. Rends-toi! Espèce de con! Merde! Ah, c'est bon! Ah, salaud! Bon, elle est où la boule? Il y avait une boule là! Je sais qu'on peut la ramasser avec ça. Ça me paraît trop évident. Attention, ah ça souffle. Ah là là! Vite! Vite! Yes! Vous avez obtenu un. Ah, un virevoltant! Ah bah c'est ça les fameux virevoltants. Eh bah lève-la. Des petites bouboules. La boule magique. La boule magique. La boule de lavage. Les bombes. Où est-ce que je suis là géographiquement? Donc tu vois je peux pas passer parce que c'est fermé. Il faut que je passe sans doute par là hein. D'abord on va faire le plein de bombes. Ouais, je sais si c'est un truc avec la boule magique. La boule magique. Et merde. Non! Crétin. Ah, c'est vrai. Oh oh oh. C'est une bombe là. Bon.
D'accord, ça n'a absolument rien fait. C'est magnifique. Je pensais que ça allait quand même exploser le rocher, le fait que c'était collé au truc. Oh, un coffre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Une boule magique. La boule de lavage. En toute sa splendeur. Les virs voltants roulent parfois au sol des arts de la neige. Je l'ai fait tout à l'heure, espèce de crétine. Tu m'as pas vu faire? Au lieu de pioncer dans l'épée, t'aurais dû me voir. Quelle crétine, sans déconner. Panier. Ah 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 ah. Bon, normalement... Attends, est-ce que... Non. Oh merde, j'ai posé la bombe. C'est pas grave. Ah, je peux vraiment pas l'activer de là? Ah mais c'est nimp, full beat. Mais c'est full beat. N'importe quoi. Il ne sent plus là, ça y est, il fait une... Oh, je viens de faire une sacrée montée. Mon dieu. La boule magique. Ah ah. Et qu'est-ce que ça va faire? Bon, ça met... Ok. Oh non, mais pas des ennemis. Oh non, en plus je crois qu'ils ont un truc électrique. Oh là là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je m'en vais. Je me casse. Vous savez quoi? Pouf, une bombe. Au secours. Ok, d'accord. Et prends-toi la bombe, prends-toi la bombe, prends-toi la bombe. Reste là, reste là, reste là. Ah, c'est... Ouais, il est mort. Oh. Un crâne d'or, un nice. Ça, c'est assez rare, donc il faut surtout que j'en ai un maximum. Soit pour les revendre, pour avoir plein de rubis, ou soit pour améliorer certaines armes. Le truc penché sur le truc, enfin, sur la caisse. Ok, ah, ça a libéré les grilles, ça c'est nice. C'est plutôt nice. Ah, du coup, on a libéré le petit robot. Bonjour. Et il va me dire ta gueule, je suis occupé. Laisse-moi tranquille. Merci de m'avoir aidé. Un peu plus, il me déconnectait. Tiens, je vois que tu as un scarabée. On les fabrique ici à l'ANEL, mais le tien est un vieux modèle. Pour te remercier, je vais te l'améliorer. Passe-moi un instant. Oh, nice. Une amélioration gratuite. Pourquoi pas. Oh, oh, votre scarabée s'est amélioré en scarabée à crochet. Ses nouvelles mandibules lui permettent de transporter des objets. Lorsque vous passez en vue aérienne dans la nuit. Oh, ça c'est nice. Du coup, on va pouvoir prendre des trucs. Ça, c'est plutôt cool. Ah bah tiens, bah justement, je pense qu'on va pouvoir prendre la bombe qui est sur l'arbre. L'arbre. Attention. Oh là là, c'est nice. Attends, et vue aérienne. Ah, et on peut viser. Ah, ça, c'est oh, c'est nice. Ouh, ça va me plaire. Ouh, ça va me plaire. Ça va me plaire que 5 minutes. Après, ça va me gaver parce que je serai bloqué. Mais bon. Putain, mais le con, je les avais pas vu les bombes, putain, l'abruti. Ah, bravo. Alors. C'est là qu'on l'améliore, ouais. Ouais. Ah bah c'était là qu'il fallait l'améliorer. Oh, ça c'est vraiment nice. Alors ça, vraiment, ça j'adore. Le scarabée, j'adore. Hein. Franchement, c'est un item que j'adore. C'est dommage qu'on soit limité, qu'on peut pas s'en servir. Enfin, en même temps, c'est un peu normal qu'on soit limité. Mais c'est trop court, je trouve, la durée du scarabée. Ça dure que 30 secondes. J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps que ça. Genre, je sais pas, 2-3 minutes. Sans qu'on explore bien tout comme il faut. Non, c'est 30 secondes, basta. C'est là qu'on l'avait livré. C'est bien ce qui me semblait. Je me disais bien qu'on pouvait améliorer ce machin. En vrai, c'était là.
super. Alors, attention les yeux. Donc attends, on va vite faire voir où est partie Zelda. Donc Zelda, elle est... Ouais, elle est au... Ah, à mon avis. Oh oui, elle est à l'endroit où il y a le signe là-bas. À la Triforce, bien évidemment. Ouais, d'accord. Bon. Okay, je sais où il faut que j'aille, c'est bon. J'ai plus besoin de la détection, il faut que j'aille là-bas. Donc c'est-à-dire... Je pense que c'est là où il y a le carré. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, il faut que je passe par là, du coup. Je passe par ici. Mais monte! Mais monte, abruti! Ah, merci. Là, il y a un coffre, donc ça c'est bon, je l'ai ouvert. Le cube, je sais pas comment on y va. Pour plus tard. Attends, on va remonter un peu, voir ce qu'il y a par là. Ah! Insecte! Yes! Une cigale des sables. Nice. Encore plus simple que les fourmis, ce truc. Y'a rien à faire sur l'arbre sinon. Ok, ok, très bien. Bonjour! Putain, je lui ai même pas laissé le temps d'attaquer que je lui ai directement cassé la gueule. Ah, on peut avoir des trucs sur les cactus. Je note dans mon Pokédex. Mon Trisolink. C'est ça. C'est exactement ça. Alors. Ah, ennemi en vue. Oh le fail. On va la refaire, c'est pas grave. C'est bon. Il va falloir aller pareil pour les deux autres. On avance doucement mais sûrement, je préfère avancer à mon rythme. Et pas trop me fail plutôt que d'aller trop vite et faire n'importe quoi. Merde, franchement. Bon. Allez Thierry, on s'échauffe pour la traversée. Et c'est parti. Ok, ça passe. Y'a quoi là-bas? Oh, y'a un trésor. Je vais le chercher avec le scarabée parce que j'ai la flemme d'aller jusque là-bas. je me sers trop du scarabée, hein. Je pense que ça peut se voir. En même temps, c'est tellement. C'est un thème tellement bien. Allez, c'est parti. Je quitte le stream. J'ai deux comptes RP. Du coup. J'ai plus la place, bonne fin de stream. A plus Laura, merci d'être passé. A plus. Puis bon RP. Puis bonne fin de semaine pour les cours. Oh! Mais non, il s'est cassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Putain. Ah, dommage. C'est 4 et 5, dommage. Game over. Ah putain! Pas possible. Franchement, la nouvelle emote là, le loul là. Ah, y'a un insecte. Ah oui, il est parti. Décidément. Les insectes sont contre moi. La nouvelle emote là, le loul là, sur Twitch, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien en fait. Parce que de base, c'est. Merde! De base, c'était juste une emote bah, de Better TV. Et là, elle est devenue une emote officielle de Twitch. C'est plutôt nice.
Bon, mec. Ah, il y a des bombes. On va aller lui régler son compte hein, avec le scarabée. Et voilà. K.O. Oh, il y a un rubis rouge, faut que je le récupère. Oh putain, mais c'est assez chaud à récupérer des virevoltants, hein, je trouve. Hein. Parce que ils pop de façon random. Mon dieu, j'ai réussi. Oh, j'ai été méchant. À mon avis, je peux aller sur la plateforme. Ah nice, je peux aller sur la plateforme pour récupérer mon endurance. Ça c'est vraiment bien pour le coup. Attends, parce que je me dirige par là, mais est-ce que c'est vraiment par là? On regarde un peu la carte. Donc là, ouais, donc j'ai traversé ça. Ça, j'ai regardé, il n'y avait rien. Ouais, je pense que c'est par là. Parce que par là, par là on peut pas passer, hein, parce que ici, c'est fermé. Donc je pense que pas le choix que de passer par là. Bonjour! Non. Oh. Casse-toi. J'ai fait exploser la bombe à temps. Parce qu'attends, il y a deux chemins là, qui s'offrent à nous là. Allez, il y a un cube, il faut que je le cherche. Ah, par contre, faut que je récupère mon endurance. Faut récupérer l'endurance, sinon ça va pas marcher. Du coup, ça fait peut-être assez loin quand même. Ah, dommage. Et c'est le Link qui s'enfonce dans le sable. Au revoir, ce n'est qu'un au revoir. Oh, faut que je m'éloigne. Faut pas qu'il me voit en fait. Et il me voit ou pas? Et il me voit pas. J'adore ton IA, mec. Hein. Franchement. Rapproche-toi de la zone. Voilà, bouge pas. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Attention. Allez, on y va. Récupère. Et on y va. Oh. Allez Link, récupère. Voilà, merci. Et un cube, un. Rubis vert. Bleu, rubis bleu, que des rubis bleus. Alors mec, non, c'est pas ce que je vais faire, je vais m'éloigner pour pas qu'il me voit. Ce serait con de l'approcher trop près de la plateforme. Là, il a vu le scarabée. Là, reste comme ça. Juste faire la manœuvre. Pouf. Ça, je gère plutôt bien la zone pour l'instant. C'est pas trop hardcore. On aura vu pire. Ah, une nouvelle statue d'oiseau pour sauvegarder. Nice. On sauvegarde. Un viewer, c'est qui regarde? Qu'il se dénonce. C'est votre rider, je pense. Ah bah non, y'a personne. Il y a un viewer alors qu'il y a personne. Rider, il a juste dit, rider a juste dit un rider sauvage apparaît, puis il est parti. Je lui ai demandé comment ça va, mais il m'a même pas répondu.
Je suis déception. Peut-être qu'il voulait juste me faire un petit coucou vite fait. Bon après, c'est pas grave, hein. C'est ce qui arrive. Bon, si je finis le live tout seul, c'est pas grave. C'est du bien d'être un peu tout seul sur Twitch. C'est du bien, de temps en temps. D'être tout seul dans son coin. À profiter du jeu. Au moins si je me fail, au moins personne ne le verra. C'est le mec. Je vais quand même regarder un truc. Ah, ça me sert une connerie. Je vais la faire ma connerie, attendez. Juste. De temps en temps, je vais checker ce qui se passe là-dessus. Ça va peut-être drop, excusez-moi les gens. Excusez-moi si ça drop par avance. Je vais sur un petit site là vite fait. Je vais faire un truc vite fait. Voilà, on sait jamais. On s'arrête. On va mettre là. Et ça, je vais le mettre... Merde. C'est ce que je voulais faire. Voilà, je vais faire ça comme ça. Le glisser là. De temps en temps, j'irai checker ce qui se passe là-dedans. Ok, c'est bon. Ok, je reviens dans 2 minutes les gens, ne quittez pas, je reviens, à dans 2-3 minutes.
Ah! Re les gens, me revoilà. Juste fait un petit truc vite fait là. Hop, je reprends mes manettes. Est-ce qu'il y a des gens? J'ai fait un test là. J'ai fait un test avec Link Toonset là pour voir les alertes vite fait. Parce que tout à l'heure j'ai eu beaucoup de drops tout à l'heure. Enfin j'ai eu une perte de connexion. J'ai eu un moment j'ai eu 0 kb seconde et donc je me suis dit merde. Du coup est-ce que les alertes fonctionnent? Bah, ça a l'air d'être bon. Ok. Ok, c'est bon. Alors. Ah, salut Antoine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors. J'ai sauvegardé, ça c'est bon. C'est quoi par là? Ah, raccourci, ça c'est nice. Ah, je pense que c'est nice. Ah non, mais j'ai déjà débloqué le raccourci, je suis con. Oh là là, je suis parti 2 minutes. Je sais même plus, je me souvenais même plus que j'avais débloqué ce raccourci. Putain, mais je suis con. Oh, René Latopa a sonné à la porte. Merci Antoine pour ces 3 mois de resub. Sub à 4$. Mais t'es pas un sub à 10 toi Antoine? T'es pas un sub à 10. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc du coup, bah, merci pour ce resub. Je vais te faire ta roue maintenant. Pouf. Par contre, on en parle que le truc c'est une bite. Pardon, excusez-moi du terme, hein, mais. Allô? Ah, merci. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, je te l'avais dit, mais je suis con. Bah, ok, bah merci pour ce renouvellement de sub à 5$. Merci pour tes 3 mois, du coup. Re-bienvenue dans la famille des Kourous. Antoine, t'as lié ton compte Discord à ton compte Twitch? Parce que du coup, tu pourrais. Parce que si tu lis ton compte Discord à ton compte Twitch, bah, du coup, sur Triforce Heroes, t'auras des avantages. T'auras un salon textuel, un salon vocal. Tu pourras utiliser les emotes sur n'importe quel serveur Discord. Mes emotes de sub, tu pourras t'en servir sur n'importe quel serveur Discord. Tant que t'es sur Triforce Heroes, tu pourras utiliser mes emotes de sub partout sur Discord. Ça, c'est plutôt nice. Faut juste que tu sois dans Triforce Heroes, chose que tu es. Donc voilà. Donc voilà. Oh, nice! Bah en tout cas merci hein, merci pour le soutien, c'est très apprécié. Donc je te fais ta roue Antoine, ta roue des 3 mois. En tout cas merci beaucoup pour ta fidélité hein, ça fait super plaisir. Puis surtout pour ta générosité parce que depuis mes débuts tu me donnes de l'argent, c'est quand même assez incroyable. Du coup merci beaucoup.
3 months in a row. Oh my god. Et donc, Antoine, tu vas repartir avec... Donc, Antoine, t'inquiète pas, si tu tombes sur une case malus, c'est ignoré. Hein, oh, même si tu repars avec x5, ça va être énorme. Et ce sera... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est incroyable ce qui se passe sur Twitch TV. T'es tombé sur le x5. T'as bien fait de resub, franchement. T'as vraiment bien fait de resub. Oh mon dieu. Oh mon dieu. T'as combien de rubis 5896 que je multiplie par 5. Oh mon dieu, mais ça fait combien ça? Ça fait combien cette connerie? T'es tombé sur la plus petite case. Tu es le deuxième. L'autre fois que quelqu'un est tombé sur la case 60, c'était Case qui est tombé. 5896 x 5, ça fait 29480. Donc je vais te add tes rubis tout de suite. Rubis, donc 7. Donc. Tiens, donc 29480. En tout cas, GG. Comme quoi, ça valait le coup de resub, hein, ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup, franchement, GG. 30 000 rubis. Eh oui! Eh oui! Et du coup, tu es monté à la deuxième. Ouais, t'es monté à la deuxième place du classement, du coup! Ah, mais c'est nice! Tu étais 5-6ème, là, tu es deuxième avec tes 29 400. GG. GG, GG. Du coup, on reçoit de scène, du coup. Comme quoi, ça peut arriver hein, de tomber sur le x5, hein, c'est assez rare, mais. T'as bien. Ton resub t'a permis. De faire un x5. Franchement, big GG à toi. Hein. GG. GG. Bon, on va reprendre le jeu. Après ce magnifique événement qui s'est passé, mesdames et messieurs. C'est incroyable ce qui se passe sur la Twitch télévision. Merci, JBT. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Bien! Revenons à nos moutons. Par contre, ouais, il va falloir que j'actualise mon Avermedia, ce qui fait de la merde. Alors, j'actualise l'Avermedia, les gens, 2 secondes. Voilà, c'est bon. Allez, on y retourne. Let's go! Quelle heure il est? Putain, 22h32, j'ai même pas fait la moitié de la zone. Merci Antoine pour ton resub. GG pour le x5. GG. Tu t'approches de Gabi. En tout cas, GG à toi. Oh le fail! Putain, mais je suis n'importe quoi. Oh d'accord, le truc qui bouge. Wait. Oh. D'accord, le truc qui bouge. Ah d'accord, on fait du... J'allais dire on fait un super slide, mais ça c'est une technique... C'est un glitch, c'est cette connerie. C'est le mec qui parle en langage de speedrun. Osef. Oh. On va y arriver hein. L'ennemi relou. Putain mais c'est pas possible j'ai... Il faut combien de coups? Oh. Ok. Let's go. Allez allez allez. Ok c'est bon. On va se poser. Du coup, bah, ça tombe bien, Antoine, que tu sois encore en sub à 10. Normalement, là, si les
si les prochains jours, je sais pas quand est-ce qu'expert on sub à 10$. Mais il y aura une nouvelle emote de sub pour les ceux qui ont l'abonnement à 10$, c'est le A. Le A de Denis. Donc du coup Willy Vuelum. Willy Vuelou. Temple du temps. Oh. Oh 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 oh. Cool. Ok. Donc on est dans le temple du temps. Et donc Zelda, hein, je pense qu'elle est bien là-bas. Ok. Mais voir un peu la zone à quoi elle ressemble. Attendez, je retourne vite fait sur mes pas parce qu'il y a un truc que j'ai pas vérifié. Est-ce qu'on peut débloquer un raccourci? Donc ça m'éviterait de refaire ce passage avec, avec tous les ennemis. Alors... Ah bah il y avait un raccourci, c'est bien ce qui me semblait. Oh non. Oh. Oh non, 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 je te snob. Au revoir, monsieur. Oh non, monte. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça m'intrigue. L'arbre qui est là-haut, ça m'intrigue. On va aller jeter un coup d'œil. En espérant que mon scarabée peut aller jusque là-haut. Ça, après, je ne sais pas. Ah, je pense pas. Je pense que ouais. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir une nouvelle une autre amélioration. Pour pouvoir aller le récup. Pour aller pouvoir aller jusque là-haut. Attends, je rêve où j'ai vu un truc. Attends, parce que je suis trop loin. On me rapproche un peu. Bon, mec. Oui, bien sûr. Tiens, mange-toi ça. C'est parce que je suis trop loin. Là, je suis un peu plus près. J'ai vu un truc dépasser, donc attends. Je vais essayer une fois vite fait. Intrigue, attends, on va essayer un quoi. Je vais essayer un coup vite fait, puis s'il y a rien, tant pis pour moi. Attends, juste se décaler. On va prendre un peu d'altitude, voilà comme ça. Là, comme ça, ce sera peut-être bien. On verra peut-être un peu plus clair. Y'a rien. Salut, Pum. Loul, la caméra. Je t'avais même pas vu arriver, j'étais concentré sur le jeu, j'ai même pas vu le chat. Salut, Pum, du coup, comment vas-tu? J'espère que ça avait. Enfin, 22h37, ouais. C'est pour ça que ça faisait un bail que t'étais là. Que tu vas bien. Donc du coup, on va débloquer le raccourci. Donc on va continuer la zone. Quelle heure il est? 22h38. Bon, ça va, je termine dans 20 minutes. Ça va, t'es pas si en retard que ça. Gorge du désert. Je t'ai même pas vu arriver, Pum. Je t'ai même pas vu arriver. T'es là un ninja, tu es arrivé sur le stream. Oh mon dieu, tous les rubis. Je prends tout ça. Oh, j'ai failli tomber dans le vide. Bon, je vais utiliser ça, je pense. Putain, mais crétin! Mais idiot bête! Putain, mais sérieux? Mais non, n'importe quoi!
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, tape-le! Merci. Donc du coup, le joueur français juste derrière l'américain avec sa carapace verte. Oh mon dieu! Clip! Pum, je te laisse clipper ça. Je veux un clip. Je veux un clip de ce fail. Je fais le coup de grâce, je tombe dans le vide. Pum, clip vite, sinon il sera avant qu'il soit trop tard. Et une fois que tu auras le clip, tu me le dis, puis je... Oh oui, 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 fail add. Tout à fait. Vas-y, clip et j'ajoute le fail. Ouais, fail add, mais totalement. Ça va, j'ai fail que deux fois depuis que j'ai commencé à jouer à Zelda Skyward Sword. Mais... Oh putain. Mon dieu. Dès que t'as ton clip, tu me le dis, Pum, je te permets. Parce que bon, Pum, tu n'es pas encore sub, hein, donc je peux pas, tu peux pas envoyer des liens comme ça. T'es obligé de demander un permis avant. C'est con. C'est pour ça qu'il faut sub. Loul. Non, je déconne. Je déconne, c'est bon. Et grâce à Twitch Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous pouvez vous abonner gratuitement à 963 Romain 2. Bon, je déconne, c'est bon, hein. Je vous vois dans le chat là ou même dans les commentaires, hein. Il fait ça pour l'argent. Non, je dis ça pour rire. Je dis ça pour rire. Tchou. La pomme elle est partie faire son clip là. Attends, j'avance, mais est-ce que j'ai oublié des trucs importants? Alors. Je pense pas, non? Je pense qu'il faut passer par là. Ah, il y a un truc à activer. Salaud! J'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur à activer. Petit salopard! Tu vas le payer, moi je te le dis. Coucou, je suis là. Je te permets, attends. Je te permets. Vas-y. Juste à temps, et juste après que je lui ai permis, que je l'ai permis, une demi-seconde après, pouf! Pas de bol, coble. C'est quoi ce titre, putain? Partage-le sur Discord aussi. Mais attends, je vais le faire, vu que je suis sur le channel. Au pire, à moins que tu l'as déjà fait, à moins que tu m'as devancé. Non, y a rien. Dans tout petit clip, y'a rien. Je vais aller le faire. Ouais, c'est bon. Je l'ai partagé sur Discord aussi. Ah, merci Pum pour le clip, voilà, je le copie, puis j'irai le voir, voilà, je le mets voilà, dans un nouvel onglet, je mets le lien là, voilà, juste pour pas que j'appuie sur rentrer, sinon ça va drop, voilà, j'irai le voir après. Ça fait plus officiel. Bah non mais c'est bon, je l'ai partagé sur Discord, c'est bon. Ah non mais énorme quoi, sans déconner. Bon. Énorme ce qui s'est passé. Ah! Sans mon clier. Ces petits ennemis, je les gère. Par contre, là, t'es arrivé à un niveau, mais chapeau, hein. Ça va, je galère pas trop, ça va encore. Oh, le Goron. Coucou, Fab. Fab, le Goron, si tu regardes Ardif.
tiens, comment on se retrouve? Je sais que je suis mal placé pour dire ça, mais t'es vraiment partout, toi. Enfin, écoute plutôt, j'ai fait la découverte du siècle. Oh! C'est Google, Pum. Ici, c'est le temple du temps. Un endroit hautement sacré. Non, c'est pas Google, c'est Wikipédia. Et là, j'ai vu des habitants de la légendaire île de la déesse. Je les ai vus de mes yeux. Elles avaient des vêtements identiques à ceux décrits dans les écrits anciens. Et elles te ressemblaient beaucoup. Elles étaient deux quand elles sont rentrées dans ta tête, j'ai voulu les suivre. Mais il y a eu une grosse explosion et le portail s'est retrouvé dans cet état. Je peux plus passer par là. Lol. Je me demande bien ce qu'il y a de l'autre côté. Et je pense pas que c'est avec une petite bombe que je vais faire ça. Hein ? T'imagines la bombe, elle explose tout. Je pense pas, non. Énorme. En tout cas, Zelda est toute proche. Je vais gruger avec mon scarabée. D'accord. Il y a un truc là-bas bizarre. Mais Zelda est là, visiblement. C'est bien ce qui me semblait être bien ici. Hein. Alors. Attendez. Avant d'activer ça, regarde s'il n'y a pas un truc à faire avant. Trois petits points. Là, il y a un ennemi. Il y a une bombe. Pourquoi une bombe? Ah, pour ça. Je suis tellement un fou de rubis que je vais aller le chercher. Voilà. On va récupérer de nouvelles bombes. Pour péter, non, pas les pots, ça on s'en fout. Lol, pum. Ah, attends. Le duo fantastique Gorgol et Ember. Ça y est, des beaux gobelins, ça y est. Bonjour. Ah. Au secours. Oui, bah c'est bon, je vais me débarrasser d'eux, c'est bon. Tombe pas dans le vide, hein. MDR. C'est bon, t'es, c'est bon. J'ai eu chaud, merci de m'avoir aidé. Là-bas, c'est le temple du temps. Il renferme la sainte porte du temps érigée par la déesse. On est bien dans ton histoire. Où on est dans ton... Où en es-tu dans... Enfin, où est-ce que je suis dans mon histoire? Bah, j'en suis... bah, à la troisième zone. Je pense que je vais m'arrêter avant le troisième donjon. On le fera bah, au prochain épisode. Donc le prochain live de Skyward Sword, ce sera vendredi soir. De 21h à 23h, peut-être un petit peu plus. Je verrai. La raffinerie de l'Anel, voilà, je pense que c'est ça le donjon, est reliée au Temple du Temps par un passage souterrain. Je vous indique où elle se trouve. La raffinerie. Donc c'est là où il y a tout ce qui est pétrole et compagnie. Tiens, ta carte est bizarre. Attends, je vais corriger ça. Non, t'as Google, Wikipédia, mais où est Yahoo et Bing? Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. La fin est un peu plus loin, sois prudent. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Maître fait au rapport. Votre carte correspond à 35% de la zone où nous trouvons. La topographie actuelle de cette zone est très différente. Je revois modifier votre carte pour qu'elle représente la zone de... dans le passé avant qu'elle ne soit recouverte par les sables. Ah. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai pas trop compris en fait. Bon, c'est pas grave. J'ai pas compris en fait. Je suis un idiot bête. Son ennemi va repop. Ah, il est encore par terre. Et tu tombes dans le vide!
Bon. Ah, sur la... ah d'accord, ok, j'ai compris la pour ce cube de la DS, il va falloir faire les classes célestes. Comme ça. Yeah. Oh là 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 là, mais quel talent, Frank Kirby. Oui. Nice. Noise, noise, noise. Ok. C'est par là du coup qu'il faut passer. Mais du coup là, je reviens dans le. Ah, en fait, je reviens par là pour explorer toute cette zone-là. D'accord. En fait, c'est pour explorer la partie nord du désert et cette partie-là aussi. Par contre, ça m'intrigue ça. Cette partie-là, là, elle m'intrigue vraiment. Je te vois. Vas-y. 4 viewers, bienvenue à vous. Bienvenue à vous les 4 viewers. Oh le con. Mais idiot bête. Oh là là, quel idiot c'est lui. Pouf. Oh là là. Le con. Je regardais le chat, j'ai pas fait gaffe, je suis sauté dans le vide. Non mais ça franchement bon. Encore heureux que je pars pas de cœur. Qu'est-ce que je dis ? Mais oh. Calme-toi. Y'a quoi par là ? Et l'intérêt de passer par là. Mais t'es pas mode Pum, donc tu peux pas faire ça. Ça mérite un fail ad pour le coup. J'avoue. Allez, 2-3. Faut que je refasse l'emote Link Rip sur FF2. Faut que je la refasse. Parce que du coup c'est pas. Parce que l'emote elle est plus sur FF2. Faut que je la refasse pour. Faut que je la refasse tout simplement. Plus ni moins. Cœur. Alors, on sait où est Zelda, donc on a plus besoin de la détection. Mm-hmm. C'est quoi ça? C'est quoi les trucs gris? Je sais pas. Maître fait au rapport. Vous vous trouvez sur des sables mouvants dans lesquels vous ne pouvez pas vous enfoncer, je vous conseille de consulter votre carte. Les voies qui étaient là autrefois sont actuellement enfouies sur le sable mouvant. Vous pouvez donc marcher dessus sans risquer de vous enfoncer. Oh, d'accord, ok. Ce jeu, j'ai bien aimé. Mais ça replay. Oui, oui, j'avoue, c'est assez répétitif ce qu'il faut faire, je suis d'accord. Être le faux modo. Je vous conseille d'utiliser plusieurs balises. Ah, elle m'a donné 5 balises. Bah, après, c'est tout con. Il faut regarder la carte. Il n'y a pas vraiment besoin de balises. Enfin, si les balises, c'est pour éviter d'ouvrir ta carte à chaque fois. Mais... au pire, attends. Hop. Hop. On va faire ça comme ça. Là on manque que c'est tout droit. C'est nice. Du coup je vais pouvoir marcher dans certaines zones sans m'enfoncer. Oh, libellule. Libellule. Deux libellules Gerudo. Point exclamation libellule pour avoir accès au clip. Le fameux clip de Bigaston qui fait libellule. Viens ici, libellule! Oh! Vous avez obtenu une perle d'ambre. Un saut dans le sable! Lol, pub. 10 perles d'ambre! Putain, j'en ai trop! Et de souvenir les perles d'ambre, ils t'en donnent une chier, puis ça ne sert à rien après. On va aller voir ce qui se trame en bas. On va placer des balises. Merde, je n'hésitais pas dans le truc. Oh, oh. Putain, mais. Qu'est-ce qu'ils ont ces cons?
Putain, mais le salaud, hein. Quel salopard, hein. Merde. Mais non, mais crétin, prends la bombe. Ce crétin des îles. Bon, au pire, tu sais quoi? Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Ah putain, non. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. C'est énorme. Mon dieu. Mec, viens là. Putain, fail. Encore un fail. Ça, c'est un fail ad, ça aussi. Merde. Hop, mon pointeur qui part en couille. Excusez-moi. Hop, ouf. Pas fall, fail. Ok. Quatre fois, putain, j'ai fait trois fails en un épisode, quoi, les mecs. C'est vrai, quand même. Oh 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 oh. En fait, y'a quoi ici, en fait, je me demande. Qu'est-ce que c'est que ça? D'un dispositif énergétique, vous devez faire pivoter son centre. D'accord. Je vais te parler, toi. Ouais. Ton accoutrement est très étrange, tu es très suspect. Ne va pas toucher au générateur et ne t'y amuse pas à y planter ton épée. Oh, 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 merci. Merci du conseil, mec. Tournez. Enfoncez. Attends, j'ai fait un truc, j'ai même pas c'est ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord, j'ai pas compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ah, on fait moins le malin. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Même si tu as trouvé les symboles, ça ne suffira pas à ouvrir la raffinerie. Les symboles? Ils ont que ça. Ok, d'accord, j'ai pas trop compris. Achievement unlocked. Ah! Devenir un trisomique. Ah! Oh! 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 Du coup, est-ce que j'ai besoin encore des balises ici? Bon, j'ai plus besoin. C'est quoi? On va y aller au feeling. Pas de balises. Allez, vas-y. On y va au feeling. Ça va être chance. Petit point, évidemment. Cet élément est hors service depuis des nombreuses années. Oui, non, mais c'est bon, Faye. C'est bon. Une petite bombe. Et toujours le point exclamation A, hein, que tu peux faire connaître. Oh! 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 Qu'est-ce que c'est? C'est comme tout à l'heure. Ça ressemble au même dispositif que tout à l'heure. Je dois faire. Ok, d'accord. Très bien. Bonjour. J'ai envie de finir le jeu, mais pas envie d'y rejouer. Qui es-tu? Ceci est l'ingénieur qui contrôle l'entrée de la raffinerie de l'Anel. Il est impossible d'ouvrir la raffinerie sans la combinaison composée de trois symboles. Ah bah ouais, d'accord, j'en ai qu'un seul, forcément. J'ai détecté dans les environs des matériaux identiques à ceux qui composent ce générateur. Vous pouvez localiser à l'aide de la détection. Ah bah voilà, bah. J'ai devancé Fail là pour le coup, parce que du coup c'est sûr. Ah non! Mais ok, ça va. J'ai devancé Fail parce que du coup, ouais, évidemment,
parce qu'on avait débloqué le code qui était, enfin le code, le symbole qui était là-bas. Et donc, il va falloir chercher les autres avec la détection. Alors, il y en a un là-bas. Ah, ça c'est le générateur à la con. Et un par là-bas. Donc, les symboles. Donc, il y en a un par là et un par là. Ok, très bien. Je vais passer des balises. Voilà. Pigeon alerte. Attention. Ça va être sport. Attends, il n'y a rien ici, il n'y a rien à faire. Ok, attention, c'est parti. Oh, mais non. Oh. Pas de fail ad là. Ça m'arrête pas un fail. Ah bah ça m'a replacé, bah ça c'est nice plutôt. Ah en gros j'étais bloqué. Ah d'accord, ça, en gros j'étais softlock quoi. D'accord. Ça tombe. Merde. Putain bâtard. Putain mais... Bon, mec. Le mec il court. Reste là. Clap. On va récupérer des cœurs. Normalement, si on s'assoit, on récupère des cœurs normalement. Et voilà. C'est bien de s'asseoir parce que du coup, ça, tu récupères de la vie. Là, il y a un gros trou. Je sais pas trop ce que c'est. Donc, oui, il y en a un là-bas et donc l'autre, il est là-bas. Ça fait combien de temps ? On a combien de temps de VOD ? On est à 1h57. Oh, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que les. On fera les symboles dans le prochain épisode. Quoique, allez, on se fait un symbole et après on s'arrête. Je suis gentil. En même temps, j'ai commencé un peu en retard, donc bon. Attends, non, mais au pire, hein. je fais encore un symbole. Oh, nice. Puis, je m'arrêterai. Donc, on va faire le symbole qui est, ouais, qui est par là normalement. Qui est ici, pour être précisé. Pour être plus précis, on va se remplir à fond. J'ai déjà joué au jeu. C'est juste que je m'en souviens plus des masses. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, à mon avis, ça va être pour le grappin, ça, à mon avis. Oh ! Oh mon dieu, j'ai tapé contre la table. J'espère que ma Wiimote n'est pas trop abîmée. Faut que je m'éloigne un peu de ma table. Encore un. Nice. J'ai tapé la Wiimote contre la table parce que j'ai fait un geste sec pour qu'il attrape la boule. La boule magique. C'est pour ça que Thierry va y rejouer. Ouais, c'est pour ça. C'est parti. Visiblement, il y a un symbole là-dedans. Ah, je peux pas me servir d'aller exactement dans les bâtiments, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je pense que ça va rien faire. Ça ne fait rien du tout. Non. C'est un ça, ça c'est non. Ça, c'est non. Comme dirait Julien Lepers, c'est non. Ça là. Oh oui, les puzzles, super chiant. Bonne chance, on se revoit dans une heure. Oh, ça se trouve, je vais le faire en 10 minutes si ça se trouve. Ah, mais d'accord. Ah, je pensais qu'il allait être bloqué. Putain, bâtard. Je pensais que il allait se faire bloquer. Il allait être bloqué par la plateforme en fait. Non, pas du tout. Je veux voir ça. Je te dis, on se fait un symbole après. Je trouve que c'est pas un truc très long. Ça y est, ça y est. Oh putain,
je suis passé. Pet. Ah ah. Poc. J'ai ri du malheur de l'autre. Ah, des trous. Des cœurs. Qui me servent à rien parce que je suis full vie. Ça y est. Oh non, mais. Mais non, le mec il anticipe les mouvements. Casse-toi. Sa saloperie là. Oui, effectivement, je suis un connard. Mais non. Mais non, tu n'es pas un connard. Oh. Nice. Bon RNG de crâne d'or. Un rubis bleu. Oh, ça y est, bon, allez, mec, hein, je vais pas me faire chier, d'accord, hein. Qu'est-ce que c'est, hein. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, je dois le mettre dans la grille, à mon avis. Vas-y, électrifie-toi. Maître. Oui, non, mais c'est ce que je comptais faire! Voilà, comme ça. Oh! Pas possible! Loul. Voilà! Non, mais. Et voilà un symbole. Merci qui, merci. L'éclair. Ça tombe bien, on est dans une zone d'électricité, ça tombe bien. Ok. Ouais bah tant pis, je serai autre au prochain épisode, Pom. Eh ouais. Parce qu'il est l'heure, ça fait plus de 2 heures que je suis en stream. J'avais prévu d'arrêter vers 23h. Quoique, on va sauvegarder avant. On va sauvegarder, puis on va se laisser là. Je trouve que est-ce qu'il n'y a pas d'autres coffres à ouvrir? On quitte la zone. Il n'y a rien. Ça, j'ai pas besoin de ça. Visiblement, il n'y a plus rien. Lol, Pom. Alors comme ça t'avais dit que j'allais mettre 1 heure. Loul. Oui, j'avoue j'ai mis 1 heure, c'était très rapide. MDR. Nice. J'en ai combien de virevoltants? Non, c'est pas ça. C'est là, le bouton 1. Et J'en ai 5. Nice. Là, une petite statue d'oiseau, on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Sauvegarder et quitter. Tu te chutes. Du coup les gens, on va se laisser là, sur combien de temps de jeu? 9h29, mon dieu, en 10h je suis déjà arrivé. Alors, peut-être pas à la moitié du jeu, parce que j'avoue que Pom, t'as raison, c'est de souvenirs, c'est assez répétitif ce qu'on va faire. Le premier tiers, voire le premier quart. Donc bon, ça va encore, en 10h ça va, c'est plutôt honorable.
Du coup, on va se laisser là. Je regardais un truc avant. On est combien de spectateurs? On est 3. Okay. Ok. Écoutez les gens, on va se laisser là. Bien, bon stream, bonne nuit et bon vendredi. Merci. Merci, Pum. En tout cas, merci d'avoir regardé ce stream, les gens. Merci aussi aux gens d'avoir aussi regardé la rediff jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, dans le prochain épisode, on ira chercher le dernier symbole là dans le désert. On fera le donjon. Et je pense qu'on fera que ça. Ouais. On fera que ça dans le prochain épisode. Donc, dans l'épisode, ce sera l'épisode 6. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode 5. On espère qu'il vous a plu. Donc, ceux qui ont regardé la rediff, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire ou un truc comme ça, n'hésitez pas. Merci les gens d'avoir été là, d'avoir regardé ce stream. Merci beaucoup, merci pour les... Il n'y a pas eu de follow, il y a eu des hosts, mais il n'y a pas eu de follow. Il y a eu, merci à Antoine pour son resub. Merci pour ses 3 mois de fidélité. Merci beaucoup. Juste regarder un truc, ouais, c'est bon. Donc du coup, merci à Antoine pour le resub, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve vendredi pour la suite. Voilà, j'en perds mes mots, je suis fatigué. On se retrouve vendredi pour la suite de Skyward Sword. Plein de bisous à vous. Bonne nuit, bonne fin de semaine. Pour ceux qui ont cours, pour ceux qui bossent, etc. Et à plus. Allez, ciao.